OK, alors je poursuis. Donc, suite à ce qu'on vient de discuter, il y a une espèce de trame de fond, un fil conducteur qui nous amène à discuter vraiment là, concrètement de la méthode de calcul pour trouver notre fameux revenu d'entreprise. Donc, je vous rappelle qu'avant la pause, on s'est intéressé d'une part à la nature du revenu. Est-ce que vraiment on n'est pas en train de confondre un revenu d'entreprise avec un revenu d'emploi, un gain de capital, un revenu de bien? Bon, ceci éclaircit qu'on est sûr de la présence d'un revenu d'entreprise. Maintenant, à quelle forme juridique d'entreprise j'ai affaire, une entreprise individuelle, incorporée, société de personnes. Maintenant que ça aussi est clarifié, vraiment, on peut rentrer dans le vif du sujet. 251, 252. En théorie, comment on calcule un revenu d'entreprise et en pratique, comment ça se traduit? Donc, je vais vous présenter la forme, la méthode de présentation qu'on utilise pour présenter un calcul de revenu d'entreprise. Ça s'appelle la conciliation du bénéfice comptable et du revenu d'entreprise fiscal. La conciliation, ça veut dire la transformation. On va transformer un bénéfice qui est établi en comptabilité pour le transformer en revenu d'entreprise fiscal qui respecte les règles fiscales là, qui sont prévues dans la loi de l'impôt. Avant de vous présenter ça, juste, je fais un retour en arrière ici. Ce que je vais vous présenter, la fameuse conciliation, elle n'est pas écrite dans la loi. La loi de l'impôt, là, quand elle nous dit de calculer le revenu d'entreprise, c'est très succinct ce qui est écrit. Puis c'est les praticiens, puis l'ARC, ensemble, qui ont convenu de faire une présentation du revenu d'entreprise sous la forme que je viens de vous appeler, soit la conciliation. Regardez, dans la loi, il n'y a pas grand-chose d'écrit, là, puis c'est rare que je lis du texte de loi, puis ce n'est pas du tout l'objectif. Mais l'article 9 dit dans la loi, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien, pour une année d'imposition, est le bénéfice qu'il en tire pour cette année. Ça n'a pas l'air à dire grand-chose, je le répète. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition est le bénéfice qu'elle en tire pour cette année. J'ai souligné le bénéfice. Quand on demande au législateur, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce qui répond dans les textes, c'est qu'on fait référence au bénéfice comptable. Ce que le législateur dit, là, c'est que je ne commencerai pas à vous montrer pas par pas comment calculer un revenu d'entreprise. Parce qu'il y a déjà une organisation qui s'en occupe, c'est l'Ordre des comptables. Il y a déjà une profession dans la vie qui a comme métier de bien établir un calcul de revenu d'entreprise, puis c'est les comptables. Donc, les principes comptables qui sont retenus par les experts, les experts comptables, vont aussi être retenus par le législateur dans sa trame de fond, et servir au calcul du revenu d'entreprise. Je m'explique. Je quitte le monde de la fiscalité, je m'en vais dans le monde de la comptabilité. On n'est pas tous des experts en comptabilité, là, je ne ferai pas ça bien compliqué. Dans le monde de la comptabilité, il y a un état qui sert à déterminer annuellement les bénéfices d'entreprise. Ça s'appelle l'état des résultats. Il y a des plus, puis il y a des moins. C'est juste qu'ils portent un autre nom. Les plus, on les appelle des produits, puis les moins, on les appelle des charges. Produits moins charges, en comptabilité, ça nous donne notre bénéfice net. Comprenez que ça ressemble pas mal en train de. La fiscalité, c'est la même chose, mais avec des mots différents. Des inclusions, des déductions, ça donne un revenu d'entreprise. C'est la même réalité, avec des termes différents. En comptabilité, ce fameux état des résultats-là, et l'ensemble des états financiers, est-ce qu'il repose sur le principe de la comptabilité d'engagement ou est-ce qu'il repose sur le principe de la comptabilité de caisse? Voulez-vous que je vous rappelle c'est quoi la différence entre les deux? La comptabilité de caisse, c'est un principe qui voudrait qu'on ne constate qu'une transaction uniquement quand il y a un mouvement de trésorerie. Il y aurait des revenus seulement quand tu encaisses de l'argent, puis il y aurait des dépenses seulement quand tu décaisses de l'argent. S'il n'y a pas de mouvement de trésorerie, on ne constate rien. Ça, c'est l'approche comptabilité de caisse, alors que l'approche comptabilité d'engagement, anciennement appelée la comptabilité d'exercice, est beaucoup plus nuancée, puis il dit, ben, attends un peu, là, si un client vient acheter un bien en magasin puis qui dit « je vais te payer le mois prochain », c'est une vente. Même si tu n'as rien encaissé, il faut constater ça. C'est un peu ça, la comptabilité d'engagement. Puis au même titre qu'une dépense, si tu encours une dépense puis tu dis à ton fournisseur « je te paye dans 2 mois », c'est pas parce que c'est une dépense, tu dois la constater. Donc, les comptables, ils ont réglé ça très vite. Oubliez ça, la comptabilité de caisse, c'est beaucoup trop simpliste. Les comptables ont retenu la comptabilité d'engagement. Bon, donc, ça veut dire que c'est un peu plus… On constate des transactions même s'il n'y a pas de mouvement de trésorerie. Le législateur, lui, quand vient le temps de calculer le revenu d'entreprise fiscale, il se base sur la même chose. Le revenu d'entreprise fiscale repose sur de la comptabilité d'engagement. C'est un peu ce qu'on retient ici.
Donc, encore une fois, je défais un mythe que j'ai déjà entendu. En fiscalité, c'est la comptabilité de caisse qui prévaut. Faux. Complètement faux. Je ne sais pas où tu as pris ça. En comptabilité, c'est la comptabilité d'engagement qui s'applique comme dans les règles fiscales. Là, c'est la même chose que la même comptabilité d'engagement qui s'applique dans les règles comptables. Ça veut dire qu'en fiscalité, quand un client vient t'acheter quelque chose en magasin et qu'il ne te paye pas, c'est imposable. C'est ça qu'elle dit, la comptabilité d'engagement. Si tu encours une dépense et tu dis à ton fournisseur, je te paye dans 2 mois, c'est déductible, même si tu ne l'as pas payé. C'est ça la comptabilité d'engagement. Et ça prévaut aussi en fiscalité. Bon, ceci étant dit, ça c'est une trame de fond. Ce que ça nous amène à conclure, c'est que, je vous montre encore une fois avec un dessin, je vais vous calculer les deux, je vais vous dessiner les deux états un à côté de l'autre. Ça, c'est un état des résultats que les comptables font avec des produits. Avec des charges. Et un moins l'autre, je pense qu'ils appellent ça un bénéfice net, je ne me trompe pas. Je pense qu'ils appellent ça un bénéfice net. Donc, il y a des ici, il y a des moins ici. Puis, quand tu as fait un moins l'autre, tu trouves ton bénéfice net. En fiscalité, quand on calcule un revenu d'entreprise, ce qui nous intéresse, le sujet du jour, on a des inclusions, on a des déductions, et on va arriver à ce qu'on appelle un revenu d'entreprise. D'après vous, ça va-tu être bien différent? Un Subway qui affiche 65 000 de bénéfices en comptabilité, pensez-vous qu'il va afficher quelque chose d'énormément différent dans son calcul de revenu d'entreprise fiscal? Non, ce ne sera pas bien différent. C'est ça que le législateur veut vous dire. On ne réinventera pas la roue. On ne commencera pas à vous remontrer comment faire de la comptabilité. J'espère que tu sais c'est quoi un produit. J'espère que tu sais c'est quoi une charge. J'espère que tu comprends la comptabilité d'engagement parce qu'il va falloir que tu t'y appuies aussi en fiscalité. On ne va pas te prendre par la main et te dire quand tu veux un sous-marin, c'est une inclusion. Hop, quand tu achètes des pécules, hop, ça c'est déductible. Il faut prendre des raccourcis et présupposer que tu comprends ça. Donc, puisque ça risque de se ressembler beaucoup, c'est là que ça nous amène le fameux truc de la conciliation. La conciliation, c'est la façon de présenter un calcul de revenu d'entreprise qui va être un raccourci, une méthode de travail. Je vous l'image ici. Et qui tire profit du fait que notre comptabilité puis notre fiscalité se ressemblent beaucoup. La conciliation, là, c'est présenté à droite du tableau. C'est la façon qu'on doit calculer un revenu d'entreprise. Le point de départ part de ton bénéfice comptable. Va chercher le bénéfice comptable à l'état des résultats et c'est ton point de départ pour trouver ton revenu d'entreprise fiscal. Donc, le point de départ, là, il y a toujours une flèche rouge. Le point d'arrivée, il y a une flèche verte. Maintenant, il faut trouver ton revenu d'entreprise fiscal. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire entre le point de départ et le point d'arrivée? On doit faire quelques ajustements. On va faire quelques ajustements pour des transactions où on n'a pas le même traitement en comptabilité qu'en fiscalité. Et en faisant cet exercice-là, certains ajustements devront se faire en plus, d'autres ajustements devront se faire en moins. De cette façon-là, on va trouver exactement ce qu'on cherche, soit le revenu d'entreprise fiscal. Et on va le trouver avec un effort très minime. Pourquoi on le trouve avec un effort très minime? Parce qu'on part d'un point de départ déjà en très grande partie correctement calculé. Ton bénéfice comptable, pourquoi mettre ça à la poubelle puis recommencer à zéro? Ton bénéfice comptable, là, à 95%, j'estime ça comme ça, tiré de nulle part, à 95%, toutes les positions qui sont prises là-dedans, c'est conforme à la fiscalité. Pardon avec ça. Et concentre-toi seulement sur les 5% de divergence. Il y a quelques transactions, effectivement, qui en comptabilité et fiscalité ne demandent pas le même traitement. On fera des ajustements. Des fois, on fera des plus, des fois, on fera des moins. Mais ça va être beaucoup plus efficient. On va arriver beaucoup plus facilement à notre revenu d'entreprise en ne focusant que sur les différences plutôt que de vouloir réinventer tout un calcul de revenus. C'est un peu ça, l'idée derrière la méthode de la conciliation. Mais je veux être bien compris, là. C'est pas mon caprice, là. Partout en pratique, tout le monde présente un calcul de revenu d'entreprise comme ça. Quand tu fais un rapport d'impôt de société, oublie ça des plus puis des moins. Je fais toutes mes inclusions, je fais toutes mes déductions. Un moins l'autre, ça va faire mon revenu d'entreprise. Oubliez ça. Tu ne fais pas ça comme ça.
Quand tu fais un rapport d'impôt de compagnie, ton point de départ, c'est ton bénéfice comptable. On te demande de faire des ajustements en plus, des ajustements en moins, pour arriver à ton revenu d'entreprise fiscal. C'est comme ça pour tout le monde qui doit produire, qui doit présenter un calcul de revenu d'entreprise. Donc, c'est pour moi, c'est pas un caprice de ma part, c'est vraiment la réalité. Je vais vous les montrer de plus proche, les ajustements. Il y a 4 types d'ajustements possibles. Écoutez, juste pour vous convaincre de l'efficience de cette méthode-là, si vous n'êtes pas déjà convaincu, je me permets juste un dernier exemple, une image. C'est comme si je vous disais, comme étudiant, là, je vous demandais de faire un travail très, 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 très long, là, qui va vous demander à peu près 40 heures de travail. Je vais vous demander de bâtir un fichier Excel hyper complexe, avec 25 onglets, plein de couleurs, plein de formatage, plein de liens. C'est un nice job, là. Excusez l'expression, un maudit job. Tu as 2 solutions pour résoudre ce que je te demande. Tu as 2 voies, 2 chemins. Une très courte, une très longue. On ne parlera pas de l'éthique et tout ça, là. Tu as 2 méthodes. Un chemin très long, un chemin très court. Le chemin très long, prends ton Excel, fais fichier nouveau. Page blanche. Go. Vas-y. Tu as tout à faire. Le chemin court, prends le fichier solution d'un étudiant qui l'a fait la session passée. Fais fichier enregistré sous. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va fermer l'original et ça va t'en faire une copie qui, d'après moi, est à 95% déjà bonne. Travaille sur les différences maintenant. Change de nom. Mais enlève son nom, mais le tien. Va voir les petites différences. Est-ce que le prof a changé une donnée à quelque part? Si oui, il va changer la donnée. Ça ne sera pas long, là. Tu as 5 % du fichier peut-être à modifier parce qu'il y a des petites différences entre le travail de l'année passée et le travail de cette année, mais 95 % du fichier, il est déjà bon, il est déjà correct. C'est ton point de départ. C'est ça la conciliation. C'est partir d'un point de départ déjà construit et déjà bien construit, en très grande partie. Moi, j'estime à 95 %, disons, tout est de traitement bien appliqué quand on part du bénéfice comptable. OK, voici les 4 types d'ajustements. Premièrement, dans une conciliation, il faut ajouter les produits non constatés dans le bénéfice comptable et qui doivent être à inclure dans le revenu d'entreprise fiscale. Je vais essayer de vous donner des exemples pour supporter le propos, mais c'est sûr, vous comprenez, les mots vont vous sembler compliqués, puis c'est vrai, vous n'avez pas vu ça encore. Je vous donne quand même un exemple, juste pour supporter. Admettons de la récupération d'amortissement. Quand une entreprise vend un bien amortissable plus cher que sa valeur à amortir, là. Quand elle vend ça plus cher, en fiscalité, on appelle ça une récupération d'amortissement, puis on te demande d'inclure ça dans ton revenu d'entreprise. Disons 2000 $ de récupération d'amortissement pour fin de discussion. En comptabilité, ça n'existe pas, cette notion-là. En comptabilité, on n'inscrit rien. That's it, that's all. Donc, quand une situation comme ça arrive dans une entreprise où il y a 2000 $ de récupération d'amortissement, qui n'a pas été considéré comme un revenu en comptabilité, mais qui a lieu d'être imposable en fiscalité. Quel type d'ajustement dois-je faire? Un plus ou un moins? Est-ce que mon chiffre de départ est trop haut de 2000 $ ou trop bas de 2000 $ par rapport au chiffre d'arrivée auquel je veux arriver? Mon chiffre d'arrivée, c'est mon revenu d'entreprise fiscale. Je vous rappelle que dans ce chiffre-là, le 2000 doit être inclus. Vous me suivez? Dans mon point d'arrivée, est-ce qu'il est inclus? Mon point de départ, pardon, est-ce qu'il est inclus? Non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si quelque chose n'est pas inclus dans mon point de départ, mais je le veux inclus dans mon point d'arrivée? Quel ajustement doit-on faire? Plus 2000. Donc, on va rajouter cet élément-là qui n'est pas présent dans le bénéfice comptable, mais qui a lieu d'être présent dans le revenu d'entreprise fiscal. Deuxième type d'ajustement, des charges constatées en comptabilité, mais qui sont non déductibles en fiscalité. Exemple, du golf. Une entreprise qui encourt 3000 $ de dépenses pour des activités au golf, parce que les dirigeants invitent des clients, invitent des partenaires d'affaires, puis entretiennent des bonnes relations, de cette façon-là. En comptabilité, les comptables ont décidé de passer ça en charge. Les comptables disent, oh oui, c'est une charge, puis ça fait partie des coutumes d'entreprise, puis c'est pour entretenir des bonnes relations. Donc, les comptables passent ça en charge. Donc, abaissent le bénéfice comptable, disons 3000 $. En fiscalité, le législateur a tranché, ce n'est pas déductible. La loi de l'impôt ne veut rien savoir d'une dépense de golf, il ne croit pas.
Donc, lui a décidé que ce n'était pas déductible. Donc, est-ce que mon point de départ est trop haut de 3 000 ou trop bas de 3 000 par rapport au point d'arrivée que je souhaite arriver? Mon point de départ a été abaissé par les comptables de 3 000 mais en fiscalité, il faut rehausser ça, parce qu'il n'y a pas lieu d'avoir droit au moins 3 000. Il faut se désaccorder le moins 3 000. Donc, on va faire un ajustement de plus 3 000 pour remonter le revenu d'entreprise et annuler l'effet de cette charge-là. Troisième type d'ajustement, des produits constatés en comptabilité, mais qui n'ont pas lieu d'être imposables en fiscalité ou dans le calcul du revenu d'entreprise. Par exemple, une prestation d'assurance vie. J'ai une entreprise qui a un dirigeant clé, puis que l'entreprise a tellement peur que le dirigeant décède parce que c'est lui la clé. Ça, c'est le génie, c'est le cerveau. Genre, dans des entreprises de nouvelles technologies, là, tu sais, si ton site dans Facebook, là, c'est le kingpin, je ne sais pas c'est qui, pas nécessairement le propriétaire, mais il y a des employés clés. Si tu as vraiment peur qu'ils disparaissent parce que tout le savoir est dans leur cerveau, tu peux contracter une assurance vie. Ce qui fait que si ces gens-là décèdent, l'entreprise encaisse une prestation d'assurance vie, puis ça lui donne peut-être le temps de se retourner puis de se trouver un autre dirigeant. Fait que moi, mon entreprise, c'est ça qu'elle a fait. Elle a assuré la tête d'un dirigeant pour 1 million de dollars et le bénéficiaire de ce million-là, s'il décède, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise qui va recevoir l'argent. Comme de fait, il décède. Donc, l'entreprise encaisse 1 million de dollars. Les comptables disent que c'est un produit. Parfait. En fiscalité, le législateur dit que c'est non imposable. Donc, est-ce qu'on a un point de départ trop haut d'un million, trop bas d'un million ou correct par rapport à ce que je souhaite avoir comme point d'arrivée? Est-ce que ce chiffre-là ne doit pas inclure le million? Ce chiffre-là inclut le million. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire comme ajustement? Un moins. Donc, on va enlever cet élément-là qui a été constaté en comptabilité puis qui n'est pas imposable aux fins fiscales. Et dernier type d'ajustement, des charges non constatées en comptabilité et qui sont déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise. C'est le miroir de la première. Là, je vais vous donner le contraire d'une récupération d'amortissement, c'est une perte finale. Donc là, c'est le contraire. Tu vends un bien amortissable moins cher. Tantôt, je disais plus cher, maintenant, je dis moins cher que sa valeur non amortie. Ça, en fiscalité, quand ça arrive, c'est déductible. La portion là, que tu as perdue sur ce bien-là, tu peux le déduire de ton revenu d'entreprise. En comptabilité, tu ne fais rien avec ça. Il n'y a pas lieu de prendre ça en charge. Donc, si je vis une situation où il y a une perte finale de 6 000 par exemple, bien, les comptables n'ont pas abaissé le bénéfice comptable avec ça. Ils n'ont pas fait moins 6 000, les comptables. Le bénéfice est resté haut. En fiscalité, tu as le droit de te l'accorder. Dans ton point d'arrivée, tu as le droit d'avoir un 6 000 en moins. C'est déductible. Donc, tu devras apporter un ajustement de moins 6 000. Ça a l'air à vous assommer, mais il va falloir vous... À ce stade-ci, là, la seule chose sur laquelle je veux que vous vous concentriez, c'est sur la mathématique. On ne parle que de plus et de moins. Je ne veux pas que vous reteniez que le golf n'est pas déductible. Je ne veux pas que vous reteniez ce que je vous dis sur les assurances-vie. On a deux cours complets pour passer ces thèmes-là. Je veux que vous reteniez la mathématique aujourd'hui. Quand est-ce qu'on fait un ajustement en plus dans une conciliation? Quand est-ce qu'on fait un ajustement en moins? Puis quand est-ce qu'on n'en fait pas d'ajustement? Pourquoi c'est si efficient? C'est parce que 95 % du temps, tu vas faire quoi dans la conciliation? Quand une entreprise achète un crayon rouge, 2 piastres, les comptables le passent en charge, la fiscalité dit c'est déductible. Tu fais quoi dans la conciliation? Rien. Quand tu achètes un crayon bleu, 2,50, le comptable dit c'est une charge, la fiscalité dit c'est déductible. Tu fais quoi dans ta conciliation? Rien. Quand tu vends un lacet 2,50 à un client, les comptables disent c'est un revenu, la fiscalité dit c'est imposable. Tu fais quoi dans ta conciliation? Rien. Je peux continuer même toute la nuit. Sur 50 000 transactions dans une année, 99 % tu n'as aucun ajustement à faire dans la conciliation parce que le traitement qui a été apporté en comptabilité est le même que le traitement qu'on veut en fiscalité. 95 tantôt, je suis rendu à 99, ça n'a pas l'air à me croire. La très grande majorité des transactions ne demande aucun ajustement. Elle a la beauté de la conciliation. Fait que quelques ajustements, oui, mais qui représentent pas grand-chose dans une année, pas beaucoup de transactions, et on se concentre uniquement sur ces différences-là, c'est beaucoup plus rapide. On va regarder un exemple. Je vous invite à
Donc, je vous invite à réfléchir les ajustements avec moi. Donc, ici, on a, c'est pas encore mon exemple, là, mais ça, c'est la liste de tous les ajustements possibles et imaginables. Lisez pas ça. Vous n'avez pas besoin de tous les connaître. On va avoir le temps de traiter ça en masse. Donc, l'exemple d'une compagnie Rio Sud. D'accord? Vous avez là l'état des résultats qui a été dressé par en vertu des règles comptables. Je ne le lirai pas tout, là, mais grosso modo, il y a un chiffre d'affaires de 1,1 million, un bénéfice brut de 346 000. Vous voyez quelques dépenses d'exploitation pour un total de 279 000 de dépenses. Quelques autres revenus, intérêts, dividendes et le gain sur la vente d'un mobilier. Dans la section autres revenus. Donc, au total, les comptables établissent le bénéfice avant impôt à 75 000. Les comptables passent en charge une provision pour impôt. C'est ce qu'ils font, les comptables. Une provision pour impôt, c'est un estimé des impôts. Pour arriver à un bénéfice net de 59 141. Ça, c'est mon point de départ dans la conciliation. Fait qu'on s'en va à l'autre page et on part avec 59 141 comme point de départ. On va faire une série d'ajustements pour arriver à un point d'arrivée de 144 000. Je vous le dis tout de suite, c'est pas grave, là. Donc, vous voyez que ma conciliation a transformé un bénéfice comptable de 59 000 $ pour le transformer en revenu fiscal qui, lui, est à la hauteur de 144 000 $. Comment j'ai d'ajustement? Même pas 12, d'après moi, sur 50 000 transactions à peu près. Cette compagnie-là doit avoir près de 50 000 transactions dans l'année. J'ai trouvé mon revenu d'entreprise en 2 minutes en faisant 12 ajustements. Plus, 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 moins, 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 sur mes postes clés où je sais qu'il y a une différence de traitement. Et j'ai trouvé le revenu d'entreprise à toute vitesse. Je pense que vous êtes convaincus pour ce qui est de l'efficience. On va aller les regarder un par un, ces ajustements-là. Qu'est-ce qui m'a amené à transformer un bénéfice comptable comme ça en revenu d'entreprise fiscal? Je reviens d'un pas. Pour faire la conciliation, la seule chose que vous devez faire, c'est prendre chacun des postes qu'il y a là et à chaque fois, vous posez la même question. À chaque fois. Est-ce que le traitement comptable qui a été apporté ou qui a été appliqué sur ce poste-là est le même que le traitement fiscal qui doit être apporté? Je le répète parce qu'elle est tellement importante, la question. À chaque poste, tu vas toujours te poser la même question. Est-ce que le traitement comptable qu'on a apporté sur ce poste-là est le même que le traitement fiscal qu'on doit lui apporter? 95 % du temps, tu vas répondre quoi? Pareil. Oui, pareil. Oui, même traitement, même traitement, même traitement. Donc, tu n'auras pas d'ajustement à faire dans 95 % des temps. Fait que moi, j'ai une vieille habitude, je pars par les postes d'en bas, puis je remonte. Aucune importance, vous pouvez faire ça dans le sens que vous voulez. L'important, c'est d'arriver au bon résultat. Donc, je prends les postes un par un. Je commence par celui du bas, 16 000. Les comptables ont passé en charge 16 000 $ de provision pour impôt. Ils ont estimé l'impôt de l'année, puis ils l'ont passé en charge sur une base estimative, 16 654. En fiscalité, qu'est-ce que nous disent les règles fiscales? Vous n'êtes pas supposé de le savoir, on va le voir dans les prochaines semaines. Vous ne le savez pas, je vais vous le dire, qu'est-ce qu'ils disent les règles fiscales. Il y en a-tu qui ont un feeling? D'après vous, quand on fait un rapport d'impôt d'entreprise, pensez-vous qu'on peut déduire un estimé d'impôt? C'est drôle parce qu'on essaie d'établir l'impôt, puis pour établir l'impôt, on déduirait un estimé d'impôt. C'est bizarre un peu. Là. Non, l'échateur dit, oublie ça, là, tu ne dis pas déductible. Donc, vous avez là un poste qui a été passé en charge par les comptables, qui a abaissé le bénéfice de 16 000, mais qui, en fiscalité, n'a pas lieu d'abaisser le revenu d'entreprise, qui n'est pas déductible. Donc, qu'est-ce que vous faites dans la conciliation? Plus 16, moins 16, vous ne faites rien. Arrête ça les questions d'examen. C'est mieux de maîtriser la conciliation. Je comprends qu'on est tôt, on est là pour, on prend le temps de l'absorber. Qui dit, dites répondez, plus 16, moins 16, ou on ne fait rien, madame? Merci. Allez-y. Allez-y. Parce que dans la vraie annexe 1, quand tu fais une déclaration de revenus, c'est comme ça. Tu pars du bénéfice net, tu rajoutes tout le temps provision pour impôt, mais tu as raison que ça revient au même que de partir du bénéfice avant impôt. Vous êtes plus 16 000, vous avez raison. Donc, allez voir à la page suivante. Je ne les cocherai pas tous. Mais à la page suivante, on fait bel et bien un ajustement ici de plus 16 000. Donc, je vous rappelle que le bénéfice comptable a été abaissé. Ce chiffre-là a été abaissé de 16 000. En fiscalité, il ne faut pas l'abaisser de 16 000. Donc, on va annuler l'effet de cette charge-là. On continue.
intérêt, 1395. Donc, cette compagnie-là, je présume qu'elle a des placements. Les placements ont généré un petit peu de revenus d'intérêt, 1300$. Les comptables ont fait ni un ni deux, puis ont mis ça dans la section autres revenus. Donc, ça a augmenté mon bénéfice net d'autant. Parfait. En fiscalité, comment on doit traiter ça dans un rapport d'impôt d'entreprise, le fait qu'elle gagne des revenus d'intérêt? Pardon? Dans le revenu de biens. Donc, qu'est-ce qu'on en fait dans la conciliation? Exact. Donc, rappelez-vous que la conciliation tente de trouver quel chiffre à la fin, le petit chiffre en vert avec la flèche, là. Comment il s'appelle ce chiffre-là? Dites-le, je vais vous l'entendre dire. Comment il s'appelle le chiffre? Revenu d'entreprise. Donc, ça prend quoi dans ce chiffre-là? Du revenu d'entreprise seulement, épuré. Pas du revenu d'entreprise et de biens. Pas du revenu d'entreprise, du revenu de biens puis du gain capital. Ça prend seulement du revenu d'entreprise. Donc, tout ce qui n'est pas de nature revenu d'entreprise, sortez ça de la conciliation. Ça ne doit pas apparaître dans le chiffre qu'on cherche. Donc, vous avez raison. Le 1395, on va l'enlever pour qu'il n'influence pas mon revenu d'entreprise. Et je vais aller le mettre dans la section revenu de biens. À la page suivante, je fais ma section revenu de biens, qui est après ma conciliation. Puis, je vais retrouver mon intérêt, puis je vais retrouver mon dividende. Parce que on a exactement le même traitement et sur l'intérêt et sur le dividende. Ma compagnie a fait et un intérêt et un dividende. Dans les deux cas, vous devez dire que ce n'est pas du revenu d'entreprise, l'enlever de votre conciliation, un ajustement en moins, puis vous le traiterez comme du revenu de biens. Gain sur vente de mobilier. Qu'est-ce que c'est ça? Les dirigeants m'expliquent qu'il y avait une espèce de mobilier antique là, qui servait de présentoir à l'entrée du magasin. C'était super mignon. Il avait acheté ça à l'époque 5 060. Il l'avait amorti dans le magasin jusqu'à 4 455. Puis ils l'ont vendu très cher parce que ça prend de la valeur. C'est très beau. Ils l'ont vendu 9 555. Fait que les comptables ils ont fait leur petit calcul. Là, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. Puis ils sont arrivés à un gain de 5 100. Et ils ont mis ça dans l'état des résultats. Parfait. Pas là pour critiquer la comptabilité. OK. Parlez-moi de la fiscalité maintenant. D'après vous, comment on traiterait ça dans un rapport d'impôt d'une entreprise, le fait qu'elle vende un mobilier antique plus cher qu'elle l'a acheté? Effectivement, moi aussi, je pense que c'est du gain capital, hein, ça. Ça ressemble beaucoup à un sport expert qui vend occasionnellement une auto de livraison. Donc, on a un magasin qui vend du linge, il y a un de ses présentoirs qui prend de la valeur et qui le revend à profit très occasionnellement et qui fait un profit. Donc, je pense aussi que c'est du gain capital. Donc, si c'est du gain capital, par opposition, c'est donc que ce n'est pas du revenu d'entreprise. Sortez ça du revenu. Il ne faut pas que ça influence le revenu d'entreprise. Donc, on fait plus 5 100, moins 5 100 ou on ne fait rien? Moins 5 100. Les comptables l'ont inclus, nous, on ne doit pas l'inclure. Donc, on l'enlève. Donc, on va faire moins 5 100. Et on va aller le traiter dans la section des gains en capital, ici. Disposition d'un mobilier antique. Je vais faire correctement mon calcul de gains en capital. Produit de disposition moins coût. Fois 50 % bien sûr. On continue. Intérêt sur impôt en retard, 130 $. Le dirigeant m'explique que l'année passée, ils ont produit leur rapport d'impôt de compagnie en retard. Puis quand tu fais un rapport d'impôt en retard, c'est bien malheureux, mais tu dois payer des impôts, des intérêts. Donc, cette année, on se ramasse avec 130 $ d'intérêt dû à une production tardive. Les comptables ont passé ça en charge. Tu ne casses pas la tête. C'est une dépense d'opération normale. C'est comme n'importe quel autre, c'est déductible. Les comptables passent ça en charge. En fiscalité, quand on fait un calcul de revenu d'entreprise puis qu'on s'intéresse aux inclusions et déductions, vous ne le savez pas. Est-ce que c'est déductible ou pas? Bien, avez-vous un feeling? Non, c'est pas déductible. On va l'apprendre dans les semaines à venir, mais le législateur dit, ben là, quand je te donne une pénalité ou que je te charge un intérêt, c'est pour te punir. S'il fallait que cette punition-là que tu payes fasse chuter ton revenu puis te fasse sauver de l'impôt, ça enlève un peu de l'effet punitif. Donc, pour être sûr de garder un effet punitif important, quand on a des pénalités ou des intérêts à payer au gouvernement, c'est non déductible. Pour vraiment que la tape sur les doigts fasse plus mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la conciliation? Plus 130, moins 130 ou on ne fait rien? Est-ce que mon bénéfice comptable a été trop abaissé de 130, trop haut de 130 ou il est correct par rapport à ce que je veux en fiscalité? On fait plus 130.
Les comptables ont abaissé leur bénéfice de 130 $. En fiscalité, on n'a pas le droit d'abaisser notre revenu d'entreprise avec ce 130 $-là, donc il faut le remonter de 130 $. Donc, on va faire un ajustement de plus 130 $. Amortissement. Tout le monde sait c'est quoi l'amortissement. Les comptables, lorsqu'il y a des biens capitalisables qui sont achetés, les font mettre au bilan. Puis, il y a une portion qui est passée en charge à chaque année par la mécanique d'amortissement. En fiscalité, c'est exactement la même chose. En fiscalité aussi, on doit capitaliser les biens et les amortir. C'est juste que les règles d'amortissement ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes durées, ce n'est pas les mêmes taux d'amortissement, ce n'est pas les mêmes vitesses. Donc, on arrive à des amortissements différents. 6 500 en comptabilité, 7 008 selon les règles fiscales qu'on aurait droit en dépenses d'amortissement. Qu'est-ce que vous faites comme ajustement dans la conciliation? Moi, je ferais deux inscriptions si j'étais vous. Premièrement, je ferais plus 6 563 pour refuser cette charge-là qui a été prise en comptabilité, puis redresser, augmenter mon revenu d'entreprise pour faire annuler l'effet de cette charge-là. Puis après, je ferais un moins 7 840 pour m'accorder la déduction fiscale qui m'est prévue de cette valeur-là. C'est plus facile de suivre comme ça. Mauvaise créance. Oui, madame? Mais c'est parce que, comme j'expliquais, la façon d'amortir les biens n'est pas la même selon les règles comptables et selon les règles fiscales. Donc, si on applique toutes les règles qui sont en vigueur en comptabilité à cette entreprise-là, on arrive à une charge d'amortissement de 6 563. Alors que si on refait les calculs avec les règles en vigueur en fiscalité, on arrive plutôt à 6 840 de dépenses d'amortissement. J'ai inventé les chiffres. On va le voir en temps et lieu. On va voir comment faire les calculs en temps et lieu. Aujourd'hui, on fait juste se concentrer sur la mécanique de la conciliation. Une mauvaise créance, c'est le fait que tu as fait des ventes et là, un client ne te paye pas. Fait qu'en comptabilité, quand tu juges qu'un client ne te payera pas, que la vente a déjà été comptabilisée dans le passé, mais que là, tu attends et tu n'es pas payé, mais à un moment donné, quand tu es tanné, tu peux passer en charge une partie de ta vente, une partie de ton compte client pour annuler annuler la vente puis considérer le fait que tu ne seras pas payé. En tout cas, vous savez, c'est quoi? En comptabilité, c'est une charge qui est admise. En fiscalité, l'éligiblateur dit exactement la même chose. Parfait. Puisque tu dois t'imposer sur des ventes, même si tu n'as pas été payé, et que la journée que tu juges que tu as un mauvais payeur qui ne te payera pas, tu peux faire exactement la même chose puis passer une provision pour mauvaise créance en déduction. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la conciliation? Plus 520, moins 520 ou on ne fait rien? Je répète, la charge est admise en comptabilité, la même charge est déductible en fiscalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la conciliation? On ne fait rien. Ainsi de suite, je ne les passerai pas tous, je vais les laisser regarder par vous-même. J'en fais un dernier. Frais de voyage et de représentation, 6 345. Je pose des questions. C'est quoi ça, c'est ce poste-là? Je m'attends à ce que ça soit croustillant puis qu'il y ait peut-être des ajustements à faire. Donc, j'apprends que dans ce poste-là, entre autres, il y a 2000 $ pour des parties de golf, comme j'expliquais tout à l'heure, là, avec des partenaires d'affaires. Il y a 450 $ de frais de repas dans des restaurants, encore là, avec des clients, partenaires et tout ça. Et le reste, c'est vraiment des frais de voyage normaux qui ont été encourus dans le cadre des activités du magasin. Donc, ça, les comptables les comptables, ils ont tout passé ça en charge. Eux, là, selon les règles comptables, ça passe tout en charge. En fiscalité, j'ai un peu vendu la mèche tout à l'heure. Le golf, je vous l'ai dit, l'échateur dit que ce n'est pas déductible. Pas du tout. Les repas, l'échateur dit, il y en a qui le savent, 50%. Tout ce qui est frais de repas, boissons, là, tout ce qu'on consomme au restaurant, l'échateur accorde seulement la moitié de la facture en déduction. Et le reste du poste, il n'y a pas de problème, c'est déductible au complet. Donc, qu'est-ce que vous feriez comme ajustement dans la conciliation? Le bénéfice comptable, est-ce qu'il a été, si on parle du golf, là, est-ce que le bénéfice comptable est trop bas de 2000, trop haut de 2000 ou il est correct par rapport à ce qu'on doit faire en fiscalité? Il est trop bas de 2000. Donc, on va faire plus 2000 pour annuler l'effet de cette charge-là qui n'a pas lieu en fiscalité.
Les repas, vous allez faire quoi? On pourrait faire plus 225. On pourrait refuser la moitié de cette déduction-là en faisant un plus 225 qui n'est pas déductible. Et le reste est correct. Si vous êtes rouillé, c'est correct. Mais ça vous dit de porter attention à ça. C'est la clé du succès dans le sujet 1, la conciliation. Il va falloir que ça soit bien. Juste, ça va être bien maîtrisé. Vous allez avoir une tonne d'occasions de faire des conciliations dans la BQI en fiscalité. Prenez pas de retard, parce que rendu à l'examen, il ne faut pas que tu hésites. Tu es plus, tu es moins, il faut que ça soit assez naturel. Correct, on est au début. Donc, j'ai fait pas tout avec vous. Vous voyez, quand on applique une douzaine d'ajustements, vous voyez un peu ce que ça donne. Comme je vous disais, 144 000 de revenus d'entreprise. On a enlevé tous les intérêts, on a enlevé tous les dividendes, on a enlevé les gains sur mobilier. On a fait tous les ajustements qui devaient être faits. Après avoir trouvé mon revenu d'entreprise, je dis bien après, on trouve mon revenu de bien, mes intérêts, mes dividendes, et on trouve aussi mes gains en capital et mes pertes en capital. Ici, j'ai un gain en capital sur un mobilier antique, puis j'ai une perte en capital sur une vente d'actions boursières. Juste attirer votre attention. Donc, premièrement, ces chiffres-là, revenu d'entreprise, 144 000, suivez-moi bien là. Revenu d'entreprise, 144 000. Revenu de bien, 3 495. Gain capital, perte en capital. On met ça où? Dans quel rapport d'impôt on inscrit ça? Voulez-vous un choix de réponse? Rio Sud, le magasin, ou, je ne sais pas, moi, c'est donc Mme Josée Simard qui est qui appartient à Rio Sud. C'est quoi la forme juridique de cette entreprise-là? C'est quoi son nom? Rio Sud Inc. Inc. Donc, dans le nom, quand tu vois Inc., c'est que tu fais affaire à une personne morale. Donc, c'est une personne morale, une compagnie, qui opère le magasin. Donc, tous ces chiffres-là devront être transcrits dans le rapport d'impôt de la société. Donc, ici, on a un rapport d'impôt de Rio Sud Inc. Qu'est-ce qu'on met sur la ligne revenu d'entreprise? 144 000, le résultat de la conciliation. Qu'est-ce qu'on met sur la ligne revenu de bien? 3 400 quelque chose, les intérêts et les dividendes? Excellent. Qu'est-ce qu'on met dans la ligne gain en capital imposable? Vous l'avez à l'écran, aidez-moi. La vente de mobilier antique a généré un gain en capital imposable de? 2 248. Qu'est-ce qu'on met dans la ligne perte en capital déductible? On a vendu des actions boursières, on a fait une perte. 2105, merci. Donc, un moins l'autre, il va ressortir quoi de la ligne 3B? 143 piastres. Parce qu'on a plus de gains que de pertes. Si on avait eu plus de pertes que de gains, ça serait zéro ici, je vous rappelle. C'est attaché tout ça, là. On est toujours attaché à ce tableau-là, on ne s'en sort pas. OK, je prends les dernières 15 minutes, 13 qu'il me reste. Je vous glisse un dernier mot sur 2.6, je ne vous en parle pas, vous regarderez ça par vous-même, c'est les dates pour soumettre un rapport d'impôt, c'est quoi la date limite pour produire, puis c'est quoi la date limite pour payer son impôt. Dernier mot, je vous glisse un mot sur la fin d'année d'une entreprise individuelle. Donc, on a parlé des formes juridiques tout à l'heure, faites dans votre tête là, un zoom sur une entreprise individuelle, là, la fameuse entreprise là, où moi et mon entreprise sommes complètement... en fusion l'un et l'autre. Quand j'ai une entreprise individuelle, comme l'indique le dessin, dans mon rapport d'impôt personnel, qu'on appelle une T1, on l'a dit tout à l'heure, je vais mettre le résultat de mes opérations sur la ligne revenu d'entreprise. Quelle est la date de calcul quand on fait une déclaration d'impôt d'individu? Ça commence quelle date? Ça finit quelle date? Ça, un rapport d'impôt personnel? 1er janvier, 31 décembre. C'est vrai pour tout le monde au Canada, ça, là, on ne s'en sort pas. Donc, ça voudrait dire que les gens qui opèrent une entreprise individuelle devraient calculer leur revenu d'entreprise sur la même date. Devraient faire leur comptabilité, leur calcul de revenu d'entreprise entre le 1er janvier et le 31 décembre. 99% des Canadiens ont compris ça, puis c'est ce qu'ils font. C'est le par défaut, ça s'appelle la méthode de base. Il y a quelques personnes qui disent « Ouais, mais moi j'aimerais ça calculer mon revenu d'entreprise sur d'autres dates, avoir une autre période ne pas calculer entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ça serait-tu possible?
Donc, à ces gens qui le veulent, on a dit, OK, seulement pour ton revenu d'entreprise, pas pour tes autres sources de revenus, bien sûr, seulement pour ton revenu d'entreprise, si tu veux choisir d'autres dates pour cumuler ton revenu d'entreprise, tu pourras le faire. Ça s'appelle la méthode facultative. Donc, il y a deux méthodes qui existent, la méthode de base et la méthode facultative. La méthode de base, 99% des gens l'utilisent, c'est beaucoup plus simple, c'est de choisir de calculer son revenu d'entreprise entre le 1er janvier puis le 31 décembre. La méthode facultative, on est obligé de la mettre en place pour satisfaire du monde qui ne veulent pas avoir une fin d'année au 31 décembre, qui ne veulent pas cumuler leurs revenus entre le 1er janvier puis le 31 décembre. Je peux vous dire deux choses sur la méthode facultative, je vais l'expliquer en détail après, là. Au niveau fiscal, il n'y a aucun avantage à faire ça. Puis c'est un paquet de troubles. Donc, je répète, il n'y a aucun avantage fiscal à placer sa fin d'exercice à une date autre que le 31 décembre, puis donc utiliser la méthode facultative, puis c'est un paquet de troubles. C'est pour ça que personne ne fait ça. Sérieux, là. Fait que qui sera. Donc, si par exemple. Honnêtement, en pratique, on aurait peut-être quelqu'un qui pourrait dire, « Regarde, là, moi, j'ai une entreprise qui est cyclique. Ma grosse période, moi, c'est le mois de décembre. Fait qu'au 31 décembre, ça ne me tente pas de me faire une fin d'année. Ça ne me tente pas de faire une prise d'inventaire. Ça ne me tente pas. Moi, je voudrais que ce soit l'été. L'été, c'est mort, mon entreprise. J'ai rien que ça à faire. Fait que mettez-moi une fin d'année l'été. » OK, mais tu comprends que c'est la méthode facultative. Oh, oui, je comprends. Tu comprends que tu n'as aucun avantage fiscal à faire ça? Oh, oui, je comprends. Tu comprends que c'est un paquet de troubles? Oh, oui, OK, on va y aller, mais c'est vraiment ça, là. C'est juste pour satisfaire, peut-être, des contraintes de la vie de certaines personnes qui trouvent ça accommodant d'avoir une fin d'année à une date. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne, cette fameuse méthode facultative. À chaque année où on utilise la méthode facultative, il faut faire il y a trois choses qui ont un impact. Il faut considérer le revenu d'entreprise réel qu'on a gagné durant notre exercice qui se clôt à une date autre. Il faut rajouter à la fin un revenu d'entreprise supplémentaire et il faut enlever le revenu d'entreprise supplémentaire qui a été calculé l'année précédente. Le revenu d'entreprise supplémentaire, c'est défini, juste ici. Je vais vous montrer avec un exemple, là, ça ne donne rien de vous lire ça s'il n'y a pas de chiffres. Je vais donner l'exemple d'une entreprise individuelle têtue. Une femme qui débute un salon de coiffure, ou un homme là, qui débute un salon de coiffure le 1er septembre. En tout cas, puis là, il me dit, évidemment, il choisit l'entreprise individuelle. Fait que là, moi, je lui donne mes conseils. Place ta fin d'année au 31 décembre. On s'entend, là? On fera un premier rapport d'impôt où tu auras 4 mois, là, septembre, octobre, novembre, décembre. Puis après ça, on fera du janvier à décembre à chaque année. « Oh non, 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 ça a toujours été mon rêve d'avoir une fin d'année au mois d'août. » Je t'avertis, là, tu n'as aucun avantage fiscal à faire ça. « Ouais, 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 je sais. Oh, c'est un paquet de troubles. À chaque année, il va falloir faire des ajustements. Ouais, ouais, mais c'est mon rêve. » Bon, correct. Fait qu'on va aller avec une méthode facultative parce que cette personne-là veut une fin d'année absolument au 31 août. Son premier exercice, elle a fait 36, ben, son exercice réel, 36 000 de revenus d'entreprise. Ça, c'est vraiment sorti de la conciliation. Là. J'ai fini ma conciliation. Là. J'ai parti de mon bénéfice comptable. J'ai fait mes plus, j'ai fait mes moins. Mon chiffre vert à la fin, 36 000. L'année passée, elle a fait un revenu d'entreprise de 15 000. Et l'année passée, elle a calculé et imposé un revenu d'entreprise supplémentaire de 5 000 $. Ça ne dit pas grand-chose. Voici de façon imagée à quoi ça ressemble. Vous avez la ligne de temps ici qui représente l'exercice réel de ma coiffeuse têtue. Commence le 1er septembre, termine le 31 août 2000X. 36 000 de revenus d'entreprise. En bas, j'ai dessiné l'année de calendrier, c'est-à-dire l'année du 1er janvier au 31 décembre. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ce que tente de faire la méthode facultative, c'est de transformer le revenu d'entreprise de cette personne-là pour faire semblant, on dit bien pour faire semblant, qu'elle a été gagnée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000X. Pour faire cette fiction-là, pour faire cette fiction-là que la loi de l'impôt oblige à quelqu'un qui prend la méthode facultative, trois étapes. La première, c'est l'étape verte. Impose-toi sur ton revenu d'entreprise réel que tu as gagné durant les 12 mois qui se terminent en 2000X. Donc, tes 12 mois ici, là, impose-toi sur ton réel, c'est-à-dire 36 000 $.
Deuxième étape, on va estimer les 4 mois qui manquent. Nous, on veut estimer ton revenu d'entreprise comme si tu avais choisi, comme si tu étais sur la méthode de base, finalement, du 1er janvier au 31 décembre. Donc ici, il manque 4 mois. Il manque septembre, octobre, novembre, décembre. Bon, on va les estimer. Je vais prendre ton dernier revenu d'entreprise et je vais faire une règle de 3 avec. Je vais prendre ton 36 000 que là. 36 000. Ça fait combien par mois, ça, quelqu'un qui fait 36 000 annuel? Bon, on divise par 12 pour trouver la valeur mensuelle. Vous êtes d'accord avec ça? Et je vais l'extrapoler pour 4 mois, fois 4 mois. Donc, sur cette base-là, je vais t'imposer, pas hypothétiquement, mais sur une base estimative, sur 3 000 $ par mois pour septembre, octobre, novembre et décembre. Ça fait 12 000. Donc, je vais t'imposer sur un 12 000 de plus. Ça, c'est le bleu. Là, si on regarde ça, à ce stade-ci, ça fait combien de mois qu'on impose à la madame, là? Moi, ça fait beaucoup, hein? On a imposé un 12 mois réel plus un 4 mois estimatif. On est rendu à 16 mois imposés, là. Dernière étape, il faut enlever ça ici. Ça, c'est les 4 mois qui ont été estimés l'année passée et qui ont été imposés l'année passée sur une base d'estimation. Parce qu'il faut bien comprendre que l'estimation que je suis en train de faire cette année, c'est à chaque année qu'on fait ça. C'était vrai l'année passée, c'est vrai cette année, ça va être vrai l'année prochaine. À vie, on va toujours faire ces ajustements-là. Donc, l'année passée, les 4 mois ici ont été estimés et l'année passée, ils ont été imposés. Donc, on les enlève cette année. Il n'y a pas lieu de les... Il faut enlever ça. Ça, c'est la portion rouge. On enlève le revenu d'entreprise qui a été estimé l'année passée et qui a été imposé là-dessus l'année passée, moins 5 000. Donc, plus 36, plus 12, moins 5, ça va vous donner un revenu d'entreprise de... Oups, mais une petite couleur, faut pas que ça... Plus 12, moins 5, ça va vous donner un revenu d'entreprise pour cette personne-là, de 43 000. Donc, ma coiffeuse, elle va ici venir se mettre dans son rapport d'impôt personnel 43 000 de revenus d'entreprise. Pas 36. 43. 43 000, c'est ce qu'on estime que tu aurais fait si tu avais été aligné avec l'année de calendrier. Si tu avais fait tes calculs sur la base de l'année de calendrier au lieu de la fin d'année que tu as choisie. Qu'est-ce que vous répondez à cette fille-là si elle dit « Votre méthode-là, c'est injuste. Avec cette méthode-là, vous me désavantagez. » Voici sa prétention. Elle, ce qu'elle dit, là, c'est que pendant les 4 mois qu'on a estimé ici, là, on l'a estimé beaucoup trop haut. Elle dit qu'en réalité, en septembre, octobre, novembre, décembre, maintenant, coupe pas de cheveux, elle voyage ces 4 mois-là. Mais nous, pour notre estimé, on a présumé que son 36 000, elle le faisait égal un 12e par mois. Puis on a fait x4, puis on est allé y mettre un 12 000 piastres ici, là, de revenu d'entreprise estimatif sur cette base-là. Elle trouve que c'est beaucoup trop, cette estimée-là, que ce n'est pas raisonnable, que ça ne concorde pas avec sa réalité. Puis elle prétend que la méthode facultative l'impose trop. Vous répondriez quoi, cette fille-là? Moi, j'ai 2 choses à dire, fille. Un, choisis la méthode de base. Arrête de niaiser, choisis comme tout le monde la méthode de base. Et 2, t'inquiète, on s'en fout que l'estimé soit trop haut ou pas assez haut. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet estimé-là de 12 000 l'année prochaine? On va l'enlever. C'est ça la méthode facultative, c'est je t'impose sur ton réel plus un estimé, moins l'estimé de l'année passée. Puis on continue. L'année prochaine, je t'impose sur ton réel plus un estimé, moins l'estimé de l'année passée. Puis on continue. Je t'impose sur ton réel plus un estimé, moins l'estimé de l'année passée. Faites ça pendant 25 ans, là. Il reste quoi au bout de 25 ans? Non, pas, c'est pas à peu près. Il reste quoi au bout de 25 ans? 25 revenus d'entreprise réels. Point final. Il n'y a aucune scène estimée qui n'a pas été enlevée l'année d'après. Il ne reste que les réels. Mais on déplace dans le temps
pour essayer de se faire accroire que tu es un 31 décembre. C'est juste du déplacement, tout ça. Ça ne, rien ne se perd, rien ne se crée avec cette méthode-là. On fait du déplacement de revenus d'entreprise pour essayer de simuler ce que serait ta situation si tu avais choisi d'être un 31 décembre, sans plus. Donc, personne n'est pénalisé, personne n'est a trop d'impôts ou sauve de l'impôt avec cette méthode-là. Je vous l'avais dit d'entrée de jeu. Puis c'est un paquet de trois. Ben, moi, je ne me lancerai pas là-dedans. Je prendrai la méthode de base. Mais il y a encore des gens qui vont avec la méthode facultative pour différentes raisons. Ça va? Je prendrai le temps d'absorber ça. Il y a une question dans la BQI en fiscalité là-dessus. Fait que je vous laisse aller. Le point 3, je vous laisse regarder par vous-même parce que c'était supposé être vu aujourd'hui. C'est pas très compliqué. C'est les inclusions. Il y en a 4-5. Je vous laisse regarder ça par vous-même, puis on va être rendu au point 4 la semaine prochaine. Il y a au moins 3-4 problèmes de la BQI en fiscalité qui devront être faits ou qui sont prêts à être faits cette semaine. Je vous invite à ne pas prendre de retard encore une fois, comme je vous l'ai dit au début du cours. Et je vous rappelle que les 10 petites questions à choix multiples, je l'étudie que vous aviez un délai, je pense, si je suis passé vite, hein, sur le plan de cours. Je peux-tu me permettre une petite seconde d'avoir votre attention? Ouais, c'est ça. Quand je vous dis que les petites questions à chaque semaine qu'il faut faire pour le dimanche soir, là, ça serait plate, ça serait dans 4 jours. Fait que pour exceptionnellement la semaine 1, je repousse ça d'une semaine. Fait que c'est pas dû pour dans 4 jours, c'est dû pour l'autre dimanche. Mais après ça, ça va être à chaque semaine. Merci tout le monde de votre attention.